siècle environ, Philippe le Marchand a confectionné un jouet mécanique, le plus parfait des cubes, son chef-d'œuvre. Il lui avait été commandé par un riche aristocrate nommé Delisle, un homme féru de sciences occultes, un grand prêtre de la magie noire. Philippe était très fier de son travail. Cet objet devait immortaliser son nom, la réputation de sa famille, ma famille. Il ignorait le pouvoir que détenait cette boîte, les forces incroyables qu'elle allait libérer. Le mal, les péchés, la souffrance. Thank you.